Je m'appelle André Castagnède, je suis agriculteur depuis les années 70. L'exploitation se situe au cœur des Landes, sur des sables landais qui filtrent très bien. Je suis parti en bio, ça fait une trentaine d'années, dont le but principal c'était de faire vivre la terre, nourrir la terre pour nourrir la plante. Ça a été ma philosophie. Dans les années 80, l'exploitation était basée surtout sur du maïs semence. À mesure qu'on avançait vers la fin des années 80, début 90, pour faire la référence en maïs semence, il fallait de plus en plus arroser, il fallait mettre de plus en plus de désherbants. On commençait à avoir quelques problèmes de champignons, de fusariose, ce qui m'a fait réfléchir aux problèmes, essayer de résoudre tous ces problèmes. Mathieu Mallet, je suis technicien au service production de semences chez Massids depuis 2009. Je m'occupe du suivi et de la mise en place des productions de semences maïs et tournesol chez les producteurs bio et conventionnels. Nous travaillons avec une vingtaine de producteurs qui produisent essentiellement deux espèces, qui sont le maïs et le tournesol. Depuis deux ans, nous arrivons à développer et surtout à pérenniser notre réseau de producteurs. Le choix des producteurs se fait en collaboration avec les techniciens de la coopérative, où nous sélectionnons les producteurs les plus performants et ayant une organisation adaptée pour produire des semences de haute qualité. Monsieur Castagnède fait partie des pionniers de notre réseau de producteurs, puisqu'il a commencé à produire avec Massids en 2010 avec du tournesol semence. Ses performances fut très bonnes, et ce qui nous a permis de développer plus facilement notre réseau au sein de la marque Massids.